Bonjour, aujourd'hui je vous présente une soupe thaï à la truite et c'est une recette facile. Dans une grande casserole, je fais chauffer l'huile végétale. Je vais faire suer maintenant l'oignon, l'échalote grise ainsi que l'ail. Pour environ 3 minutes, j'ajoute maintenant le gingembre ainsi que la citronnelle. Je vais faire revenir pour un autre 2 à 3 minutes. Je vais saupoudrer de curcuma. J'ajoute la pâte de curry. Maintenant, c'est le lait de coco. Le bouillon de poulet ou légumes. Ici, c'est du bouillon de poulet maison. J'ajoute également les feuilles de citron kaffir. Puis je vais laisser mijoter, je vais apporter à ébullition et laisser mijoter pour un 15 minutes. Entre-temps, je vais zester la lime et je vais également prélever le jus. Maintenant que mon bouillon bout, je vais ajouter mes lamelles de truite, ma truite que j'ai coupée en lamelles d'environ 2 cm. Et je vais délicatement mélanger et attendre que mon bouillon recommence à bouillir. C'est pas très long. Aussitôt qu'il commence à bouillir, c'est cuit. C'est de la truite fraîche, alors ça se cuit très rapidement. Dans un bol de service, on a mis les languettes de truite. On va ajouter du bouillon très chaud. C'est important qu'il soit très chaud. Je vais parsemer de zeste de lime ainsi que de coriandre ciselée et pour terminer, le basilic parsemé aussi. Vous pouvez servir avec du riz, des nouilles de riz ou comme nous, baguette grillée au beurre. Nous allons déguster le tout. Et Julia Child vous aurait dit: bon appétit!